Donc on était parti sur le principe de travailler ce plan de l'excellent Steve Morse, guitariste actuel de Deep Purple, donc, et surtout l'analyser en même temps. Donc en fait le morceau est en ré mineur, on a la relative, c'est Fa majeur, ré mineur, Fa majeur. Donc on va retrouver plein d'accords qui sont issus de la gamme de Fa majeur ou ré mineur. Ça c'est ré mineur par exemple. Ça c'est le Fa majeur, donc on va le retrouver dans le morceau. Après, on a Sol mineur, un peu plus loin on a Si bémol majeur. Là on a un La majeur que je vais expliquer un peu après, mais l'idée elle est là. Tous ces accords font partie, hormis le dernier, de la gamme de Ré mineur. Donc le plan il est conçu comme ça, une triade ouverte. Donc c'est vraiment pas évident à la main droite puisqu'il va falloir sauter la corde de sol. Voilà, et le deuxième plan, donc on se demande quel est cet accord en fait. En fait cet accord c'est un renversement de lui. Donc vous reconnaissez ici l'octave, le La. Ici quand vous faites un La 7, vous avez la quinte qui est là-bas. Il n'y a que cette note donc qui peut être douteuse parce qu'elle n'est pas dans notre accord, elle est là-bas. Mais en fait c'est l'octave de la tierce. Donc c'est un La basse Do dièse, un renversement sur la tierce. Donc dans un premier temps, pour chauffer les doigts, on fera juste ces deux accords. Etc, etc. Donc Ré mineur, c'est ça. 5, 7, 6, et je repasse par la quinte, par le 7. 5, 7, 6, 7. Après, je recule l'index pour aller choper donc la tierce du La majeur. La quinte est faite avec l'auriculaire maintenant et la saut de corde pour aller chercher le 5 sur la corde de Si. Donc ça c'est vraiment la base de tout le plan, c'est-à-dire un accord suivi de l'accord, ce que nous on appelle dans notre jargon le 5 du 1. De l'accord juste au-dessus, mais avec un renversement. C'est-à-dire que notre première fondamentale est là, et là, c'est la tierce du suivant. Et si vous regardez, là, ça va être le même système, mais cette fois-ci avec un accord majeur. Toujours le même système. Donc en fait, la grille, c'est comme si on faisait ça. Donc ce qu'on a sous-entendu derrière, c'est ça. Ré, La, Ré, Do, Fa, Do, Fa, excusez-moi, Ré, Sol, Fa, Si bémol et La majeur. Donc en fait, chaque accord d'une gamme peut être précédé de son 5. Alors je vous explique en gros. Si vous faites un Ré mineur, vous comptez sur vos doigts, ça marche dans 98% des cas, Ré, Mi, Fa, Sol, La, vous pouvez faire précéder votre Ré mineur dans La majeur ou dans La 7. Donc c'est ce qui est fait, c'est ce qui est pratiqué ici. Ce La, il appelle le Ré mineur, donc c'est pour ça qu'on peut l'intercaler. Donc rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Donc je vous rappelle ce que vous avez à travailler pour aujourd'hui, c'est juste ça. Voilà, rendez-vous au prochain épisode.